Histoire. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Oui ou non? Tellement de questions ont pour réponse oui ou non. Des questions banales au choix de vie, tout comme la démocratie se règle par un oui ou un non. Est-ce qu'un non peut dire oui? Est-ce qu'un oui peut dire non? Comment faire cohabiter ces deux extrêmes, pourtant si liés? À la place du Rhône, c'est l'art qui tente de répondre à cette question, pour une fois pas par oui ou par non, mais par un mât métallique de l'artiste bernois Marcus Retz. Les trois torsades de fer qui dominent l'espace forment les mots oui et non, en fonction d'où on les regarde. Créée en 2000, cette œuvre nous questionne sur l'ambiguïté du réel. Il suffit ici de se déplacer pour que le oui devienne non, et inversement. Du haut de ces 10,45 m, oui, non, nous rappelle qu'il faut savoir prendre un peu de hauteur avant de se décider.